Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais tester en vidéo la marque Gillar Beauty comme vous avez pu le voir dans le titre. En fait ça fait un petit moment que je suis Jessica Thivenin et clairement elle présente tellement bien ses produits que j'ai craqué et j'ai vraiment voulu tester ses produits, sachant que j'ai craqué puisque j'ai regardé la composition avant et que le prix clairement n'est pas aussi cher que ça. Avec le Black Friday, il y a une petite promo qu'elle a mise en place et clairement ça valait le coup. Donc du coup je vais ouvrir ce fameux colis, on va découvrir tout de suite ça ensemble et en même temps je vais tester les produits en direct et vous donner mon avis, donc c'est parti. Alors déjà je sais pas si vous allez bien voir, mais l'intérieur du colis est déjà ultra canon en rose comme ceci. Bref voilà, très girly, très féminin, j'adore. Et donc moi dans ce que j'ai acheté, il y avait déjà cette petite serviette donc que je vais découvrir. C'est une serviette pour le visage, donc spécial soin, qui coûtait quand même 10 €. Donc c'est très très cher, mais il fallait un certain montant pour avoir ces fameux cadeaux etc que je vais vous montrer. Bref voilà, donc elle est plus ou moins douce. Mais franchement ça peut le faire pour un soin. Donc voilà, comme vous voyez c'est signé Gillar, c'est mignon etc. Je testerai ça lors d'un soin, mais au moins j'aurai ma petite serviette soin et j'aurai pas besoin d'utiliser d'autres serviettes etc. Enfin voilà, bref. Dans les cadeaux il y avait une brosse et je pensais pas qu'elle était aussi grande. Franchement le peigne, alors c'est un peigne démêlant, il est énorme. Enfin franchement je sais pas si je m'en servirai, mais waouh. Je m'attendais pas à ça. Et ensuite nous avons tout le reste des produits qui sont quand même super bien emballés. Donc là franchement c'est nickel. Il y a des marques qui n'emballent quasiment rien. Et donc moi dans ce que j'ai pris, voilà, c'était le petit sérum. Et franchement mais incroyable, regardez-moi le packaging. C'est incroyable, il y avait le gommage pour le visage aussi que je voulais tester, mais il est en rupture actuellement. Donc si ça me convient, je repasserai sûrement commande, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça, vous aurez mon avis sur le long terme. Si j'achète le gommage, je vous le présenterai en vidéo aussi. Enfin, voilà. Donc, on va ouvrir l'élixir pour voir ce que ça donne. Mais déjà, le packaging est juste canon. C'est incroyable. Je pense que je vais vous présenter les produits vite fait et on les testera en deuxième partie. Donc, voici le devant. Et hop, je vais réussir le derrière. Il est trop trop beau, il est vraiment tout tout petit, c'est incroyable. Et donc bien secoué et ensuite appliqué matin et soir. Je laisse ça de côté et je vous montre du coup les cadeaux. Je crois que le code c'était BLACK40, n'hésitez pas à le retester, on ne sait jamais s'il est toujours valable. C'était à partir de 50 ou 60 € d'achat. Et donc en plus du peigne qu'on a vu en début de vidéo, il y avait Up. Donc ça c'est l'exfoliant pour les lèvres, je vais l'ouvrir aussi. Et l'huile corps amincissante, donc pareil avec le Gillar. Hop, de l'autre côté. On a l'impression qu'il est vide, il est tout léger, c'est un truc de ouf. Donc voilà, blanc et rose gold. Enfin franchement, il est ultra ultra canon. Et l'huile amincissante, voyons voir, en général les huiles ont un packaging de dingue. Et bah lui même pas. Des fois c'est transparent, mais voilà, il est comme ceci. Et le derrière, voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le gommage et je vais faire ça sur ma main. Waouh, alors l'odeur, je sais pas, ça sent un petit peu le miel ou je sais pas. Mais ça sent super bon. C'est incroyable, il sent vraiment très très bon. Et normalement ça devrait pas couler, je vais vous montrer. C'est des tout petits grains et c'est incroyable. Je sais pas, ouais ça sent le miel je pense. Très clairement ça sent super bon. Hop, et on dirait du sucre. Là je pourrais pas forcément bien vous montrer, mais quand on frotte, quand on éteint, on dirait vraiment du sucre qu'on frotte. Et je pense qu'au niveau des lèvres ça doit faire un truc de dingue. Et voilà, après on a juste à passer un coup et ça s'en va. Non, déjà l'odeur est vraiment dingue. Et après voilà, si on mouille, oui la peau est douce après sans plus, mais je pense que pour un exfoliant lèvres c'est déjà pas mal. Donc là du coup pour l'exfoliant lèvres je peux valider honnêtement. Après il faut tester directement sur les lèvres, mais rien que là oui ça va. On va passer à l'élixir. Donc là imprégné d'or 24 carats apparemment. Nous allons voir ça. Ah oui, alors attendez, j'ai pas secoué. Ouais c'est des toutes petites j'ai vraiment vraiment pas si on va voir.
Et donc, hop, je vais mettre une toute petite goutte sur ma main pour voir. Il me semble que ce sérum a un effet anti-âge. Il sent super bon. J'arriverai pas à vous dire quoi, mais il y a une odeur poudrée un petit peu, hyper délicate. Incroyable, franchement, il sent vraiment super bon. La peau est hyper douce. J'ai déjà les mains douces de base. Mais là, c'est incroyable et ça sent super bon. J'arrive pas, franchement. L'odeur est indescriptible. Et c'est pareil pour son parfum Bianchi. Je n'ai pas commandé. Parce que pour le coup, je le trouve très cher. Mais apparemment, le parfum sent très bon selon les personnes. Mais il est quand même très fort. Donc, à tester, un de ces quatre. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore... encore commandé. Donc là on verra aucune différence hein, très clairement, mais ma peau est ultra douce et sent vraiment très très bon. Et pour l'huile amincissante, donc ils disent appliquer deux fois par jour en massage, je vais tester, alors c'est en flacon pompe, donc ça c'est vraiment super super bien. Je vais tester sur mon autre main pour voir ce que ça donne. Ah non mais très clairement, oui il y a de l'or aussi, oh, j'espère que je vais pas en mettre partout, je vais vous montrer, regardez-moi ça. C'est incroyable. Et franchement... Alors l'odeur, ça sent le plastique. L'odeur sent vraiment très bizarre pour le coup. Et c'est une huile plutôt sèche, je dirais. Parce que là, on étale, la peau devient douce et on peut s'habiller tout de suite quoi. Enfin, effectivement, je suis en train de regarder, c'est fabriqué en France. Et c'est fabriqué, donc là c'est Sifour-les-Plages. L'huile est fabriquée à Lyon. Et pour celui-là, à Lyon aussi. Donc oui, c'est bien fabriqué en France. Parce que je me suis dit, quand on voit toutes les marques d'influenceurs, etc. Ouais, c'est fabriqué en France, mais c'est juste pour le... C'est du marketing, mais en fait, pas du tout. Donc après, oui, effectivement, c'est marqué là. Mais non, c'est bien fabriqué en France. Donc ça, c'est aussi super bien. Parce que bah, pour tout ce qu'on peut voir, à des prix déraisonnables, etc. La compo est très bien. Là franchement le sérum visage et l'exfoliant lèvres est franchement incroyable, je vous le recommande, c'est un coup de cœur. L'huile amincissante peut-être moins, là franchement, alors imprégné d'or oui effectivement on l'a bien vu, c'est pas de l'arnaque, mais voilà, au niveau de l'odeur ça sent vraiment bizarre, ça me fait penser à une odeur, mais vous savez les produits quand on est petit, qu'on utilise, quand on est avec les poupées etc, ça me fait un petit peu penser à ça, donc très plastique au final. Donc voilà pour cette belle découverte, j'espère que ma vidéo vous aura plu et aura pu vous aiguiller aussi un petit peu, voir que la marque Gilor c'est pas que du marketing, c'est pas que une marque d'influenceur, parce que là clairement je pense que c'est réellement du vrai travail, c'est pas du dropshipping etc comme on peut voir un petit peu partout. Donc voilà, effectivement l'huile amincissante, mais c'est un cadeau, c'est pas un produit de dingue, mais tout le reste des produits ont une très bonne odeur et ont l'air vraiment incroyable. Donc si ça peut vous aider, je vous remets le code si ça fonctionne en lien de description et juste ici, n'hésitez pas à tester du coup si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je testerai le gommage du coup si il ressort. Et vous, je vous fais participer, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos avis etc, sans avoir testé, ou si vous avez testé, bah, vos avis aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bref, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.